Hey, j'ai reçu une lettre d'un abonné, ça me fait super plaisir. Ah d'accord, il y a tout ça aussi, d'accord. J'avais pas tilté. Évidemment, pile poil, le jour où je tourne une vidéo, je suis complètement malade. J'ai donc actuellement la voix de Garou. C'est faux. Oh, petit mouton. Ah oui, d'accord, j'ai ma tête dessus, j'avais pas vu. Petite coque d'iPhone, hop, petite coque bien propre, merci mon pote, elle va parfaitement à mon portable, et apparemment elle protège bien. Putain, on a du gâteau, oh, on a du gâteau, maintenant j'ai Google. Je pense que dès que je vais ramener une meuf chez moi, je vais faire, hey, tu veux un gâteau, je suis dans la friendzone. Alors ça, c'est extrêmement beau, je suppose que la personne qui a fait ça est complètement en maternelle, le talent est présent. Un faux chèque d'1 million d'euros. Ouais, c'est fait plaisir le gars, quitte à ce que ce soit faux, autant que ce soit des grosses sommes, je vais quand même essayer de l'encaisser parce que... Salut, ta tête est drôle, mais pas toi. Non, c'est une blague. Tout est nul chez toi. Ah, j'ai niqué un truc. Ah, excellent. Psartek, l'équipe. Donc du maquillage pour représenter cette équipe de hockey que sont les Boxers. Je suis actuellement un indien. Merde. Bon bah les mecs, le mug a pas tenu hein, le mug si tu veux ne fonctionne plus. Salut Norman, je m'appelle Guilherme, je suis un grand fan et je voulais te dire que t'es le meilleur youtubeur. Merci mon pote, le gars a tapé à l'ordinateur quoi, le mec est, il est sérieux quoi. Fais pas de bruit, j'appuie pour rien, Oh putain. Ah, mon chat ressemble à Sergi sauf que elle est née avec une petite queue. Bah alors. Bon, elle n'a qu'une petite queue et c'est pas grave. Un message à tous les chats qui ont des petites queues, c'est pas grave, d'accord? Et pareil pour les hommes. Trop stylé! La petite poupée! Avec un max de bouclettes. Putain, elle est vachement bien faite, eh. On dirait une poupée vaudou. Aïe! Aïe! Ah. Arrête! Cadeau qui m'a coûté cher, donc fais en bon usage. Signé Enzola Racaille de la Street. Voilà, c'est la racaille de la street. Bonjour Théophile. Bonjour. C'est Norman Tavo l'appareil. Putain, les gens, tu sais quoi, ils prennent du temps pour me faire de très très beaux dessins. Merci d'avoir investi du temps dans ce dessin. 1 euro. 1 euro, on peut se prendre un caddie à Leclerc. Un caillou. Le mec m'offre un caillou. Bah écoute... Je vais le mettre dans mon jardin, hein, dans mes graviers quoi. Pour tes jolies cernes. Génial. Une crème anti-cerne. C'est mieux ou pas? Il n'y a plus de cernes, ça y est. Alors là... Oh non, on est déçu hein. Il n'y a pas d'iPhone. Des petites cartes Pokémon avec des youtubeurs dessus. Il y a la carte Mister V et la carte Cortex. Dra, dra, dra. Une bombe de peinture. Ah, c'est l'arnaque. Quoi? Putain, merde. Ouh, l'esprit de la fête. Génial, vous me régalez avec vos cadeaux. Hein. Sarah et Bénédicte, merci les filles pour cette casquette beat. Ah ouais, un petit collage trop stylé avec toutes mes vidéos dedans. Ah ouais, vous aimez vraiment le monde de la beat. Hein. Les claques d'Antoine. Attends, fais pas. Si? J'ai les oreilles et j'ai... Ah mais c'est pas fort ça. Salut Brice. Oui. C'est Norman. Oui. Le mec s'en fout. Merci pour ta lettre. Tu m'as envoyé une lettre, n'est-ce pas? Et un dessin. Ah oui. Eh ben je te remercie beaucoup. Merci. C'est cool. Oh. Merci mon pote. Pas trop bien. Ah, tu vois là, je suis dans un espace culturel et j'ai de trouver ton DVD. Oh, c'est trop mignon. Merci Brice. Apprête-toi à avoir un orgasme... gustatif, ouais. Ce biscuit est nul. Faux. Eh, tu sais quoi? Dès que je vais inviter des gens, je vais me la péter avec mes gâteaux faux. Je hurle mes vermines. C'est extrêmement bien réalisé. C'est black and white. Yeah, Luigi, babe. Des lunettes décapsuleurs. Putain. Yeah. Et en plus, tu peux le faire avec 2 bouteilles. Un petit bracelet faux. Avec en plus derrière un petit Norman dessiné, trop mignon. La puissance. On m'a offert un certificat d'adoption d'un corail, genre un truc officiel. Je participe à la protection de la planète. Sans avoir rien fait du tout. Ah ouais, elles sont vraiment ouf, celles-là. Génial. Génial ce mot.
En tout cas, je continue à ouvrir vos petits papiers, ça me fait hyper plaisir, je les montre pas tous à la caméra. Parfois c'est tout simple, mais ça va droit au cœur. Tu es l'étron de ma vie, la matière fécale du bonheur, si un jour je te vois, tu illumineras mon caca. Norman, veux-tu m'épouser? Peut-être un jour dans le futur lointain, hein, Daphné? Qui est d'ailleurs le prénom de ma sœur. Hein, voilà, donc c'est... c'est une double gênance, hein. Bonjour Norman, cela fait longtemps que je t'observe par la fenêtre de ta cuisine. Je vais rester anonyme. Allô? Bonjour, personne anonyme. Allô? Oui, bonjour, c'est Norman. Allô? Mais non! Ça va? Ah mais non, c'est le répondeur? Je me suis fait avoir, putain. Ce dessin est très très beau, vraiment très très beau, j'aime tout. Une serviette hygiénique. Bon bah je l'utiliserai quand j'aurai mes règles. Ah, une lettre un petit peu plus officielle. Facture EDF. Ah mais non, ça c'est pas... J'ai absolument tout ouvert, toutes les lettres, tous les coulis, j'ai tout regardé. C'est vrai David ou pas? C'est exact. Voilà, j'ai fini mon déballage de lettres et colis. On a passé la journée dessus. Merci vraiment à toutes et à tous pour toutes vos petites attentions, toutes vos lettres, tous vos messages. On a vraiment tout regardé. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Ça me donne encore plus envie de continuer mes vidéos. J'étais un peu moins présent en 2016 parce que j'ai complètement fini la tournée de mon spectacle qui est désormais terminé. En 2017, je vais pouvoir me concentrer à nouveau sur les vidéos, donc en faire un peu plus. Ça, c'est cool. Je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Mettez un petit pouce en l'air si vous avez kiffé et on se revoit très bientôt, les amis. Ciao!